que la plénière se poursuit là-bas. Bon, on a connu ce que Bande Konangai, il y a Congo, il y a Kinshasa. Vous comprenez que depuis très longtemps, nous avons opté pour le silence. Le silence, parce qu'il fallait laisser à nos amis le temps de diriger. Le temps de diriger. Et je crois que ça fait trois ans et demi. Boyoki mungongo na ngai te. Za boyete na lobaka te. Na bino tika pesa bango chance ba diriger. Mais eza mawa mingi. Mawa mingi parce que je crois que nifona yebisa ba congolais particulièrement ba kinois que depuis l'indépendance nga na botama na 1968 depuis na botama indépendance le kakala ti lelo. C'est la première fois que je vois un tel scandale dans notre pays. Qu'un gouvernement, de notre pays escroque son propre peuple. Bah, escroque la population. Et il continue. Mon téléphone est là. On venait de me couper encore 1.7. Tous les jours, Alors, Bisso, bah, FCC, Tolobino, Tolobé la peuple. Parce que nous sommes là pour le peuple. Ça ne m'a pas, non, vous ne pouvez pas parler. Alors nous avons refusé, comme Manara a dit, de participer à cette messe noire. Et que le peuple comprenne qui parle pour lui. Qui parle pour lui? Juste le temps d'aller vers le perchoir, dire au président que non, ce n'est pas normal. Voilà, on m'a arraché la cravate, on a failli m'étrangler. Regarde. On a failli m'étrangler. Oh yo, bandico lo balitsus. Mais je suis député. Alors je suis très triste et vraiment sidéré par le comportement de notre chambre.